Sport de combat, la lutte est pratiquée par le peuple depuis des milliers d'années. Un sport qui requiert peu d'équipement et qui s'adresse à tous les types de physique. Effacé au Canada derrière la lutte professionnelle théâtrale présentée sur un ring, la pratique de la lutte style libre inspirée de la lutte gréco-romaine fait de plus en plus d'adeptes. Tout le but du sport de lutte, c'est très simple, c'est de mettre les épaules de ton adversaire sur le tapis pour une seconde. Il y en a qui pensent que c'est facile de prendre une personne et le mettre sur leur dos, mais c'est pas. C'est force contre force, technique contre technique, beaucoup d'endurance. A lot of people think to be a good wrestler, you have to be really, really strong. Wrestling is a sport that is very unique. Because wrestling really relies on how well you use your strengths. J'ai eu des joueurs de football qui ont venu faire une session de lutte, entraînement. Après 30 minutes, ils étaient à l'extérieur pour vomir. C'était des athlètes, mais ils n'ont jamais fait le conditionnement ou le combat qui n'arrête pas. Il n'y a pas de pause. Stan Dzogas et David Tremblay sont deux entraîneurs passionnés, l'un à l'école secondaire L'Essor de Windsor et l'autre au club Team Impact de Toronto, et tous deux forment des champions. Le Canada se démarque d'ailleurs de plus en plus en lutte style libre, même si peu d'argent y est investi et que les lutteurs ne commencent pas à pratiquer le sport assez jeunes, comme c'est le cas pour le hockey. Most of the people in Canada that are coaches are volunteer coaches. The only exception probably being are the university coaches. I don't get paid any money. I do this out of passion and love for the sport. I've been doing this now for 21 years. So, you know, what's the motivation? The motivation is you have to have a passion and a passion for what you do, and you have to want to give back to the sport. Stan Dzogas entraîne les jeunes dès l'âge de 7 ans et mélange tous les groupes d'âge. Une solution qui s'est avérée être fructueuse puisque plusieurs membres du club ont remporté des championnats nationaux. Même chose à Windsor, où le club de lutte entretient une tradition de succès depuis près de 30 ans. L'année dernière, les filles ont remporté les 15 championnats nationaux auxquels elles ont participé. C'est un sport que tout le monde peut faire. Parce que j'ai toujours été trop petit pour jouer au basketball, plutôt passer vite pour faire autre chose. Mais la lutte, j'ai trouvé que c'était vraiment un sport pour moi parce que ça fait une quelle grandeur. C'est une fille, un garçon. Tu luttes contre une autre personne, le même poids. Moi qui représente le Canada, c'est pas juste moi toute seule, c'est toute mon équipe. Parce que sans eux, je pourrais pas être où je suis tout de suite. Donc, c'est vraiment à cause d'eux que je peux aller tellement loin. La lutte libre pour femmes est maintenant un sport olympique depuis les Jeux d'Athènes en 2004. Et aujourd'hui, les femmes gagnent du terrain au Canada puisqu'elles ont l'occasion de s'entraîner avec les garçons. And women's wrestling in Canada, second or third best in the world. And the reason for that is we're the only country in the world where our best women train with our best men coaches. Everybody else, every other country, it's a separate program. La jeune Braxton, 16 ans, s'entraîne chez Team Impact depuis l'âge de 10 ans et rêve de se rendre aux Jeux Olympiques. Well, wrestling with boys, you can't really use your strength because obviously boys are a lot stronger than girls. So like, it helps me focus on using my technique. And then when I wrestle with girls, like I'm able to use some of my strength and power and all that. So it's completely different. Filles ou garçons, ces deux clubs ne veulent pas seulement produire des athlètes d'élite, mais également de bons citoyens qui auront appris avec l'exercice de ce sport des valeurs fondamentales. Have a plan and don't do things just for the sake of doing it. Make sure you're well prepared. Like, think about something before you actually do it. Have something in your mind before you do it. So, if you fail to plan, plan to fail. C'est des habiletés qui vont développer pour le restant de leur vie. C'est des défis. On a tous des défis dans la vie, que ce soit des défis avec nos carrières, nos familles ou quoi. Et si tu lâches, tu sais que tu es jamais satisfait.